Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on fabrique un sapin en bois. Allez, c'est parti! Bien, pour ce projet, je vais utiliser pas mal de bois que j'ai dans l'atelier, j'en ai un peu partout, je vais réutiliser toutes les chutes, etc., etc. Pour la conception de ce sapin, je me suis inspiré du nombre d'or. Le nombre d'or qu'on nomme phi, il fait à peu près 1,618. Je vous mettrai le nombre exact. C'est ce qu'on utilise pour les proportions, dans les tableaux, dans l'architecture, un peu partout. Allez voir sur Internet, vous tapez nombre d'or, vous verrez, on va tout vous expliquer. Moi, là-dessus, je vais utiliser cette technologie pour ce qu'on nomme le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est une bonne proportion, c'est ce qu'on retrouve dans la nature. Donc vous avez à peu près un angle de 72 degrés à la base, donc 72 degrés, 72 degrés, et 36 degrés sur la pointe. Bon, voilà, je pense que vous avez tout compris. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débiter, raboter et assembler. Allez, on y va. Thank you.
Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Vous voyez, ce sapin en bois. Alors, ça m'est revenu à une dizaine d'euros, hein. C'est des planches de coffrage. Vous voyez les proportions, c'est agréable à l'œil. On est sur le triangle d'or, donc c'est des choses qui sont agréables à l'œil. Moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, faites ce que vous avez à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!